je ne pouvais pas mourir. Même si la mort me pourchassait, ça ne pouvait pas m'attraper, ça ne pouvait pas m'atteindre. Déversé dans les bouts et oh yeah, yeah. Comme les ciels, comme les ciels, comme les ciels est ouvert. Alléluia. Et que l'ange puissant, et que l'ange puissant est descendu, est descendu. Il peut résister, il peut résister à la divinité. Alléluia. Déversé, hey, dans les bouts et oh yeah. Est-ce que mon âme a lâché quatre madaliawa? Les cieux ont été déverrouillés, les cieux ont été bralés par les sept coups de tonnerre qui ont ramené Christ dans son église. Oui, mes frères, tout est devenu possible. Dans cet âge de l'enfer, mon bien-aimé, Dieu changera l'histoire de ta vie. Hey! Est ouvert, et que l'ange puissant est descendu, qui peut résister à la divinité. Déversé dans les pousses, oh yeah. Yo, yo, mon bébé, aux obéis, yo, comme un cambouille. Yo, zala makambo, yo, kama kambo. Kobanga banga te, kolenga lenga te. Mokonji na yo, ajali nanguya. Abotelema, moto ya suka na bomo ina yo. Atabandoki, batelemeli yo. Kobanga banga te, Yesu azali lilo ba ya suka ye. Comme le sien, et ouvert, et que l'ange puissant est descendu, il peut résister à la divinité. Déversé dans les bouts, et déversé dans les bouts, déversé dans les bouts, la nuée de gloire déversé dans les bouts. Dans les bouses, yeah. Dans les bouses, oh yeah. Est-ce qu'on l'ignore au jubilé? Est-ce qu'on l'ignore à la liberté? Ah, tout ok. Glory, glory. Le temps de péché est terminé, la trompette a sonné, c'est la liberté. Le temps de péché est terminé, la trompette a sonné, c'est la liberté. C'est la liberté. Péché est terminé, la trompette a sonné, c'est la liberté. Et le temps des péchés est terminé, la trompette a sonné, c'est la liberté. C'est le jubilé. Malachie 4 est venu pour amener la foi des enfants au Père de la Pentecôte. Malachie 4 est venu pour amener la foi des enfants au Père de la Pentecôte. C'est le jubilé. Amen. 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 C'est la liberté. C'est la liberté.
je n'ai pas descendu pour donner la peur. Mais il est venu donner le courage et la capacité de vivre sur les démons. Oui, mes frères, il est le même en tout temps. C'est la réalité. C'est la réalité. La guérison divine, mes frères. Réalité. Le miracle au nom de Jésus. C'est la réalité. Le baptême du Saint-Esprit. Réalité. Les boîtes vont marcher aujourd'hui. C'est la réalité. C'est le jubilé. Mungu ambariki sana ndugu mpendwa Joshua. Tuwapige makofi wapendwa. Nafikiri wale ambao hawajawekwa huru bado wataweza kuwekwa huru. Punde kidogo watawekwa huru. Si ndio mnaamini pamoja nami? Kwa hivyo tunakaribisha mashemashi waweze kuleta sakafu kwa sababu huduma ya sakafu inakaribia. Uweze kuweka sakafu hapa. Wahuduma ambao wanahusika na kazi hii wanaweza kukaribia. Kuweka sakafu hapa. Na kwa hivyo Pedro, yeye ni mhuduma pia ni mwimbaji kama vile Joshua anatoka kuimba hapa. Yeye ni pastor pia anaimba. Na tuna ndugu mpendwa, nimewahi kumsikia na hapa sasa mtamsikiliza, na anaweza kuimba, anatuingiza moja kwa moja katika roho. Na tukingojea mtumishi wa Mungu mpendwa mzee Baruti aweze kukaribia. Na ni ndugu mpendwa, jina yake Mbangu. Le bien-aimé frère Mbangu va s'approcher pour nous introduire dans l'adoration et nos cœurs sont prêts pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, notre bien-aimé frère. Amen. Nzambe apambo labino. Mungu awabariki sana. Nasengi na bato balingi kobina teba fanda nasi. Naomba wote ambao wapendi kucheza wakae chini. Mutunyo soya sepeli kobine la Jesu Kristo. Wote ule anafurahia kumchezea Yesu Kristo. Akotele malikolo pona tina la kobine la Jesu. Akasimama juu kwa kuweza kumuimbia Yesu Kristo. Awa ndeto koyeba baoyo na biso na boya biso te. Hapa tutajua walio pande yetu na wasio pande yetu. Baoya Jezu bakoyeba bango leo. Wale walio pande ya Yesu Kristo watajulikana leo. Bazala kana soni tepo na kukumi sanzambe na bango. Hawasiki kamwe haya kwa kumuimbia Mungu na kumuimbia. Haleluya. Amen. Lui ne pouvait pas mourir avant de voir le Christ du Seigneur. Un jour il était conduit dans le temple, on lui amena le petit Jésus. Il est pris, le bénit et dit: Seigneur, laisse ton Seigneur.
comme Siméon. Je ne pouvais pas mourir, même si la mort me pourchassait, ça ne pouvait pas m'attraper, ça ne pouvait pas m'atteindre avant de voir la nuée de gloire, avant de voir la parole révélée, avant de voir la parole faite chair, avant de voir la manifestation du Fils de l'homme, avant de voir le discernement des pensées, avant de voir la lumière du soir, par la grâce de Jésus comme je l'ai vu. Alors si la mort m'arrivait aujourd'hui, si ça sera par la balle, même par la maladie, même par un accident, alors je dirais, laisse ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu les promesses de ce jour, la parole est révélée. La parole révélée. Bah, bah, ok, en français, t'es pas au canalinga la sigoyo. Si me on a ya kala kala o, ye a koka ki koku fate, bosomona, Christu na kolo. Makolo moko ame mama kina molimo na tepelo. Bame mela kie pe mwana yeswe. Ame makie abonde la kipe alobi. Olo, kika mo mbuna yo, akende la kimia. Mwete bisorangai, emoni loriko, kogondi san Israele. Gai peloko la simeona e, gai na koka ki koku fate, ata kufa elanda ki gai, ata ngana koya ki na moto, ata ngana bela ki makasio, ata ngana sala ki accident. Koku fate, liboso na mima, sango mala moyo, nangolu na nzambe lokola na ndimi, soki kufa ekomelinga lelo oyo, soki kozala nde na nzela ya masasio, soki kozala nde na nzela ya maladi, soki kozala nde na nzela ya aksidan, nga na lobi boye. Salipe mokili, bisi katina mai, yama katina zamba, ekeli kolo na zuki. Nasa panala kumu
na ye. Alleluia o sanzora ye. Alleluia o kumisa ye. Ye mokonzi na mama. O azali na busora pe papa na Jesus Christ. Oh alleluia e sanzora ye. Alleluia o kumisa ye. Ye mokonzi na mama. Banjembo, tobete la ye ma bokoe, tobine la ye ma bina. Poete ya kokina lokumu, alleluia o. Oh, alleluia o, kumisa ye, ye mokonzi na bama. Oh, alleluia o, sanzola ye, alleluia o, kumisa ye, ye mokonzi na bama. Tango banje basala kimabe kolo alimbisa kibango teo abwa kibango na mokili kasi tango ngai na sala kimabe kolo wakanisi ngai alandinga kino na poto poto na kati na masumwe akufi ne kulusu babeti e bafimbo babwa kela kiesoyi kwete ngai na bika. Alleluia, oh Sanzola ye. Alleluia, oh Kumisa ye. Ye mokonzi na mama. Oh Alleluia, oh Sanzola ye. Alleluia, oh Kumisa ye. Ye mokonzi na mama. Dala bilombe minene. Oyo bandima kisangoyo. Ebele basila kozonga sima kasi soki nga nazali koumela kati na liloboyo ezali mpona ngolu na Yesu. Alleluia e sanzola ye. Alleluia o kumisa ye. Ye mokonzi na mama. Oh alleluia o sanzola ye. Alleluia o kumisa ye. Ye mokonzi na mama. Alleluia, oh kumisa ye, ye mokonzi na mama. Oh alleluia, oh sanzola ye, alleluia, oh kumisa ye, ye mokonzi na mama. Nzembo na lingina emba sikoyo, pasteur alingia ngomingi, pasteur Jacques Bilombe. Alors, il y a des gens qui ont été très bien. Je ne regrette pas ça. Mais je ne sais pas si je suis bien. Il y a des gens qui ont été très bien. Malembe, malembe, tokokoma, kuna mboka likolo. Bongo na suka, azwa lokumu, amen, asanze olamba, amen. Et ça, quoi, balo baka na swahili. Leo, moto, itashuka. Malembe malembe tokokoma una mboka likolo yelikia ezali tokomona bolo Yesu Masia satana ta osali nyonso Yesu alobaki akobungisa moko te tosimbi bendele akondima na kombo na Yesu soto kokoma de na suka milala 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 atami kakata no ekoya soto kolonga kule apokwenge nginzela soto kokoma satana ta osali nyoso Yesu alobaki akobungisa moko te tosimbi bendele akondima na kombo na Yesu biso tokokoma nde na suka. Aleluya! Mpona mosa
Yotika kilo la moka na yona kembo Yoyaki komo na pati pwete nga inabika Yokufa kima kila na nyama sopa na kyo Yango na zangi eloko ya kopesa na yo Na yembeli yo senze moyo ya bolingo Yango libonza e uti na monte mananga Yamba yango bombe kaya solo maramu Yesu, Inga Minanga, Yande Mobalo Yonga na Chela Kamotuma. Ona Mosala Monana, Yesu Yosalaki, Yotika Kilola, Moka na Yona Kembo, Yoyaki Komona Pasi, Pote na Inabita. Yo kuswa kima kila na yama sopa na kyo Yango na zangi eloko ya kopesa na yo Na yembeli yo zenze moyo ya mbongo Yango libonza ye uti na monte manaka Yama yango bombe kaya solo malamu Uu Yesu mbuniga minaka Yame mbalo yomba na chela kamotema Yotindili loba na tamo yo ya suka o Likonzi na moto ezongi na mokili Koka mbali ngomba loko la Israele Kino na kokoma na suka ya mobembo Yango na zangi eloko ya kopesa na yo Na yembeli yo seze moyo ya bongo Yango libonza ye uti na mote manaka Yango bombe kazolo malamu Uu Yesu molinga minanga Yone mobalo yonga mchera kamotema Aleluya Yotindi liloba na tango yoyasuka Nikonzi na moto wezongi na mokiri Okamba ni mamba lokola Israele Kino na koko mana suka ya mobembo Yango na zangi eloko ya kopesa na yo Yamba! Na yembeli yo senze moyo ya bolingo Yango libonza e uti na mote mananga Yama yango bombe kazolo maramu Uu Yesu molinga minanga Amen.
Asante sana ndugu mpendwa mbangu. Tumpige makofi. Anatuimbia nyimbo nzuri, nyimbo za upako. Na tuasema jina la Bwana ibarikiwe sana. Kwa hivyo sitaendelea kusema na Kiswahili kwa sababu wageni wetu hawasikii Kiswahili. Nitaendelea na Kifaransa. Kwa hivyo nous disons merci beaucoup à notre bien-aimé frère Mbangu qui nous a chanté des cantiques très merveilleux. Et tout le monde a bougé. Tuasema asante sana kwa ndugu mpendwa Mbangu ametimbia nyimbo maalum sana na kila mmoja ametingizika. Que Dieu te bénisse notre bien-aimé frère. Bwana Mungu akubariki mpendwa. Amen. Amen. Pour ce don merveilleux. Kwa ajili ya karama nzuri sana. Reçu de la part du Seigneur. Uliopokea toka kwa Bwana. Merci beaucoup. Asante sana. Maintenant le moment est venu. Sasa wakati umetimu. Pour approcher notre bien-aimé frère. Et j'appelle le pasteur de l'église Bethel Tabernacle. Le bien-aimé frère Ben Bilombe. Mpendwa Ben Bilombe. Jacques. Jacques. Qui va devoir commencer. Atakuya kwanja. Par vous présenter. Kuwaoneshea. Le bien-aimé qui sont arrivés. Wapendwa waliofika. Et après. Nakisha. Et après. Nakisha. Et après. Nakisha. La raison d'être. Shabaya kuwa. Amen. Amen. Merci beaucoup. Asa sana. Ainsi, notre bien-aimé frère pasteur. Hivyo mpendwa mchungaji. Soyez bienvenu. Que Dieu te bénisse. Bwana Mungu akubariki. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Que celui qui aime Jésus dise Amen. Anempenda Yesu asema amina. Que l'ami de Jésus puisse l'acclamer encore une fois. Rafiki wa Yesu amshangilie tena mara nyingine. Amen. Amina. Nous sommes heureux d'être ici ce soir. Tuna furaha kuwa hapa magharibi ya leo. Pour venir représenter le Seigneur Jésus-Christ. Kuja kuwakilisha Bwana Yesu Kristo. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Anayekuwa sawa sawa jana, leo na hata milele. Amen. Amen. Nous ne faisons que continuer d'amener le message que le Seigneur nous a envoyé en ce temps de la fin. Tunafaa tukiendelea kupeleka habari njema yenye Bwana alitupatia kwa hii wakati wa mwisho. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Tuna Mungu mmoja tu. Comment s'appelle-t-il? Anaitwa nani? Comment s'appelle-t-il? Anaitwa nani? Jésus est le Jéhovah de l'Ancien Testament. Yesu anakuwa Yehova wa Agano la Kale. Et il est aussi le Dieu du Nouveau Testament. Anakuwa Mungu wa Agano Jipya. S'il est ton Dieu, kama anakuwa Mungu wako, dis amen. Sema amina. S'il est ton Dieu, kama anakuwa Mungu wako, dis alléluia. Sema alléluia. S'il est ton Dieu, kama anakuwa Mungu wako, acclamez-le plus fort. Mshangilie nguvu zaidi. Amen. Amen. Nous sommes ici. Tuko hapa. C'est parce que nous avons reçu. Ni kwa sababu tumepokea. Les doyens des anciens. Mkubwa wazee. Je vais écouter un amen. Amen. Les doyens des anciens. Mkubwa wa wazee. Mzee wa wazee. Mzee wa wazee. Mpaka na bapaka. Mzee wa wazee. Il est venu. Amekuja. De Kinshasa. Toka Kinshasa. Il est l'envoyé de Dieu pour toi. Anakuwa mutumwa wa Mungu kwa ajili yako. Celui qui reçoit un apôtre. Anayepokea mtumwa. En qualité d'un apôtre. Kama mtumwa. Il reçoit aussi la récompense de l'apôtre. Anapokea pia zawadi ya mtume. Et la récompense de notre apôtre. Na malipo ya mtume wetu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ni Bwana Yesu Kristo. Et le Seigneur Jésus-Christ sera ici au rendez-vous. Na Bwana wetu Yesu Kristo atakuwa hapa katika aliko. Pour te sauver. Kwa kukuokoa wewe. Pour te libérer. Kwa kukufungua wewe. Pour te baptiser du Saint-Esprit. Kwa kukubatiza na Roho Takatifu. Pour te guérir de ta maladie. Kwa kuponya na magonjwa yako. Pour te libérer de la prison. Kwa kufungua toa gereza. Pour chasser la malédiction de ta vie. Kwa kufukuza laana toka kwa maisha yako. Pour briser les chaînes du diable. Kwa kuvunja minyororo ya shetani. Tu ne retournera pas comme tu es venu. Au
utarudia jinsi ulivyokuja. Parce que Jésus va entrer par la porte. Kwa sababu Yesu ataingia katika mlango. Et les démons vont sortir par les fenêtres. Na mapepo yataruka kupitia madirisha. Qui peut dire amen? Amen. 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 Au fil et à mesure que tu dis amen, kipimo naendelea kusema amina. La maladie n'a plus le pouvoir sur toi. Magonjwa yana tena mamlaka juu yako. Tu n'as même pas besoin qu'il vienne ici. Hauhitaji hata uweze kufika hapa. Hata kile ici. Na watu wote hapa. Tu peux te guérir là où tu es. Unaweza ponyesha na pali wewe uko kule. Si la route. Hata uko njiani. Même dans le véhicule. Hata uko ndani ya mtugari. Si ta chaise. Hata uko juu ya kiti yako. Tu peux te guérir maintenant. Unaweza ponyeshwa sasa. Hallelujah. Amen. Nous ne poussons pas les gens qui tombent. Nous prononçons seulement la parole. Et tu es guéri là où tu es assis. Après, on va te faire un peu. Mais je disais quoi? Jésus disait quoi? Qu'il te soit fait selon ta foi. Itendeke kwako kufuatana na imani yako. Et si tu as la foi, na kama uko na imani, ce soir, magharibi ya leo, quand le pasteur, wakati mchungaji, quand le révérend, wakati mheshimiwa, quand le doyen, wakati mzee, mzee wa kazi, mzee wa wazee, mzee wa kazi, mpaka ya msala, mzee wa kazi, tanga kwa yawa, atakapokuja hapa, lengela mapamboli. Jitayarishe kwa baraka. Lengela mapamboli. Jitayarishe kwa baraka. Lengela lobiko na yo. Jitayarishe uponyaji wako. Kwa Yesu akakutana na yo. Yesu atakutana nawe. Applaudissez le Seigneur. Tumshangilie Bwana. Je ne vais pas l'appeler maintenant. Sitamuita sasa. Mais je vais quand même vous montrer ceux qui sont venus le soutenir. Nitawaonesha lakini wale waliokuja kumshikilia. En provenance des pays étrangers. Toka nchi ya kigeni. En provenance de l'Ouganda. Toka Uganda. Il est venu pour le soutenir ici. Amekuja kumshikilia hapa. Le pasteur John Chakonye de l'Ouganda. Mchungaji John Chakonye wa Uganda. De Kampala. Kampala. Dear brother John, can you stand up and people can see you? En provenance de l'Équateur. Utoka Équateur, jimbo wa Équateur. Dans la ville de Gemena. Katika muji wa Gemena. Le pasteur Alexandre Omeonga. Mchungaji Alexandre Omeonga. Ils ont payé leur ticket. Wamelipa tiketi zao. Le ticket d'avion pour être ici. Avion ili wafike hapa. Pour soutenir les doyens des anciens. Wamushikilia mzee wazee. Ils ont gaspillé leur argent pour être là. Franga zao ili wafike hapa. Je veux que nous puissions applaudir encore plus fort. Napenda tushangilie tena nguvu zaidi. Nous allons au Kasai Oriental. Unaenda kwa Kasai Oriental. Le pasteur Charles de Loja. Mchungaji Charles wa Loja. De Loja. De Loja. Wow. Que Dieu bénisse pasteur. Bwana Mungu bariki mchungaji. Asaibu pasteur. Nous voyons, nous venons ici dans la province orientale. On a engagé pied katika jimbo la orientale. Mais Bazuele. Bazuele. À Bondo. Au Bondo. Le pasteur Somada. Mchungaji Somada. Qui se lève, que les gens le voient. Ah. Que Dieu bénisse pasteur. Bwana Mungu bariki mchungaji. Nous retournons à l'Équateur. Tunarudi na Equateur. Nous avons le pasteur Jérémy Mondonga. Tunakuwa na mchungaji Jérémy Mondonga. De Bumba. Toka Bumba. Que Dieu bénisse ce pasteur. Bwana Mungu bariki mchungaji. Au provenance du ciel. Toka mbingu. Le Saint-Esprit de Dieu. Roho takatifu ya Mungu. Applaudissez-le. Hein? Amen. Je veux que tout le monde se lève et continue à applaudir. Napenda watu wote washimame waendelee kushangilia. Leo applaudissez le Seigneur. Napenda ushangilie Bwana. Applaudissez le Seigneur. Ushangilie Bwana. Les grands visiteurs. 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 Je veux écouter les applaudissements. Napenda ushangilio. Applaudissez. Mshangilie. Applaudissez. Shangilieni. Applaudissez. Shangilieni. Applaudissez. Shangilieni. Le Seigneur. Bwana. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Le roi des rois. Dieu, le tout puissant, le omnipotent, le omniprésent, le omniscient, louez-le, applaudissez-le, poussez-le,
Assoyez-vous. Kaeni. Alors je ne prends pas le temps du pasteur. Sitachukua wakati ya mchungaji. Le révérend. Mheshimiwa. Le révérend. Mheshimiwa. Pasteur. Mchungaji. Baruti. Baruti. Kasongo. Kasongo. Binjadi. Binjadi. Leonard. Leonard. Notre papa spirituel. Baba wetu wa kiroho. Il vient de Kinshasa. Anatoka Kinshasa. Il vient de Rigini. Anatoka Rigini. L'assemblée chrétienne de Rigini. Kusanyiko la Kristo wa Rigini. Oh papa! Oh papa! Bana valelia! Bana to bana kulia! Bana valingia! Bana to bana kupenda! Je n'écoute pas les applaudissements! Tous en abîme sont sur sa frontière. Si tu vas scar bilan paka. Neli boso papa ya. Mbele baba aje. Sœur Deborah azan lo yembo. Dada Deborah na nyimbo. Ya kuya manango papa. Ya kumpokea naye baba. Isa bote. Ya kuya baba. Uja basi uimbe. Bona papa. Abelemi. Alléluia. Alléluia. Poussez, poussez des cris de joie. Hey! Hey! Bonté éternelle, bonté les révolutions, que le roi de gloire fasse son entrée. Hey! Bonté éternelle, bonté les révolutions, que le roi de gloire fasse son entrée. Un jour étant monté là-haut seul, il y avait des portes. Portez éternel, portez les bébés les taux, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Jésus-Christ, roi de gloire. Il est le Saint-Esprit, il est l'onction de Dieu. Portez éternel, portez les bébés les taux, que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia! Hey! La maladie, maladie, la sorcellerie, la fatigue, de mauvaises anciens, Kounia, que le roi de gloire fasse son entrée. Il est le Saint-Esprit, il est la parole de Dieu. Élevez-vous, élevez-vous, élevez-vous. Acclamez le roi du ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Je suis très content d'être au milieu de vous. Nafurahi sana kuwa katikati yenu. Et je crois que vous êtes aussi très content de me voir. Naamini kwamba nyinyi pia mnafurahi sana kuniona. Et aujourd'hui, Léo. Njo Léo. Léo, njo Léo. Amen. Vous voulez voir Dieu faire des miracles? On appelle à voir des mungu faire des miracles. Vous le verrez. Muta muona na ifanya. Amen.
Le pasteur m'avait invité. Mchungaji alinialika. Le pasteur Ben Bilombe. Mchungaji Ben Bilombe. Depuis, je crois, 2010. Tangia mwaka 2010. Et aujourd'hui, je suis là. Na leo niko hapa. Je crois. Naamini. C'est un jour exceptionnel. Ni siku moya ya kipeke. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont malades ici? Levez la main. Je, kuna watu wenyewe wanakuwa wagonjwa hapa, wainue mikono yao yulu, wagonjwa, mikono yulu. Je veux prêcher. Baissez vos mains, j'ai vu. Nishaona mikono yenu, mushushe. Mushushe chini. Daubiri. Mais moi je ne guéris personne. Mimi siponyeshe mtu. Mais j'ai amené quelqu'un. Akini mekia na mtu moja. J'ai amené quelqu'un. Nimekuja na mtu moja. Lui. Yeye. Si vous lui faites confiance. Kama na mtu mania. Il vous guérira aujourd'hui. Atakuponya leo. Vous le croyez? Munayamini? Alors, sasa, nous allons ouvrir nos Bibles. Tutafungua Biblia zetu. Dans Matthieu chapitre 24. Katika Mathayo sura 24. Matthieu 24. Mathayo 24. Verset 35. Makumi tatu na tano kifungo. Le ciel. Bingu. Et la terre. Na dunia. Passeront. Zitapita. Mais mes paroles ne passeront point. Alakini neno langu alitapita kamwe. Quand Dieu dit quelque chose. Mungu anaposema jambo fulani. Ça doit arriver. Kutendeka. Ça doit yanapashwa s'accomplir. Kutimilika. Le ciel que vous voyez là. Mbingu yemo naona kule ile. Va passer. Yatapita. La terre sur laquelle vous êtes là. Ile iche yemo akaju yake hii. La parole est plus forte que la terre. Neno napita hii udongo hii. La terre passera. Udongo itapita. Mais ce qui est écrit ne passera pas. Amen. 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 Est-ce qu'on peut prier? Alors fermons nos cœurs et fermons nos yeux, nous allons prier. Dieu notre Père céleste, je veux leur dire la vérité. Fais que le diable ne puisse pas enlever cela. Acha shetana sio kuyaondoa. Que cela pénètre jusque dans leur cœur. Yaingia paka ndani ya mioyo zao. Afin que beaucoup de gens comprennent. Ili watu wengi wafahamu. Et soient guéris. Na waponyeshwe. Je prie aussi pour ceux qui seront guéris. Naombea wenyewe wataponyeshwa pia. Au niveau de leurs âmes. Ndani ya nafsi zao. Eux aussi, Seigneur. Na wao pia Bwana. Qui puisse comprendre que aujourd'hui c'est leur jour. Ce qui est écrit est écrit. Bénis la parole. Bénis le moment que nous allons passer ici. Guéris les malades. Et sauve les perdus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Ma prédication ne sera pas très longue. Mahubiri yangu haitakuwa mrefu. Je vais prêcher sur ce qui est écrit. Nitahubiri juu yenye inaandikwa. Est écrit. Inaishaandikwa. Amen. Amina. Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 4, 5. Paulo anasema hivi katika Wakorintho wa kwanza sura 4 sheria 5. Verset 6 plutôt. Sheria 6 samani.
C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne. Et à celle d'Apollos. Afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Amen. Amen. Nous devons rester dans ce qui est écrit. Amen. On ne peut pas prêcher les choses qui ne sont pas écrites. Amen. Et nous devons apprendre à croire à ce qui est écrit. Parce que ce qui est écrit est écrit. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles que Jésus avait prononcées ne passeront jamais. Oh Jésus. Ouvre l'intelligence de tes enfants. Qu'ils puissent comprendre que ce qui est écrit est écrit. La parole de Dieu est puissante. Quand Dieu a dit que la lumière soit, il s'est peut-être passé deux siècles. Il s'est peut-être passé 2000 ans. Il s'est peut-être passé 1 milliard d'années. Mais la lumière fut. Ikawa. Oh Jésus. Oh Jésus. Enseigne-nous, Seigneur. Tu fondis je bwana. Je suis dans Genèse 1. Niko katika mwanzo sura ya kwanza. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Katika mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia. On peut se poser des questions. Tunaweza kujiuliza. Avec quel matériau Dieu a créé les cieux et la terre? Ni kupitia vyombo gani Mungu aliumba nao mbingu na dunia? Je vois ici à Bunia. Naona hapa kubunia. Les maisons. Manyumba. En train de pousser comme des champignons. Inaota kama mabuyoka. Mais alakini, ils construisent avec des briques, wanajenga na matofali, avec des tôles, wanajenga manjanja na manjanja, du bois, na miti, du ciment, ciment. Mais la Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Akini Biblia nasema katika mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia. Regardez-moi bien. Muniangalie vizuri. La question est posée avec quoi Dieu a créé les cieux et la terre. Mungu aliumba mbingu na dunia na nini? Alitumizia nini? Du ciment? Ciment? La terre? Udongo? Ça n'existait pas. Ah, haikukua. Mais avec quoi? Basi aliumba na nini? Avec quoi? Na nini? Avec quoi? Neno. Neno, liloba. Amen. Dieu a créé les cieux et la terre au commencement avec la parole. La Bible dit, au verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Quelle puissance! Quelle puissance! Quelqu'un qui se tient là. Qui dit. Asema, qui est les cieux et la terre. Kuwe na mbingu na dunia. Et puis la terre apparaît. Les cieux apparaissent. Avec les lunes. Miezi, les terres. Udongo, les étoiles. Banyota, les soleils. Bajua, et toutes les galaxies que nous connaissons. Na ile baduara yote tunajua, et d'autres que nous ne connaissons pas. C'est sorti de la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu est puissante. Amen.
Vous voyez là où je voulais vous amener. Dites à haute voix. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante. Amen. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est capable de créer. La parole de Dieu est capable de créer. Amen. Amen. La parole de Dieu est capable d'accomplir. Amen. Ce qu'elle a prononcé. Ce qu'elle a prononcé. Il a dit que la lumière soit. Nous, oui, oui. Il n'a pas dit qu'il y ait un arbre. Ce n'est pas l'arbre qui doit apparaître. Non. La parole renferme tous. Toutes les choses qui sont à l'intérieur. Pour la produire. Aujourd'hui. Léo. Vous devez le savoir. Qu'il y a des promesses dans la Bible pour vous. Que Dieu va accomplir aujourd'hui. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Asante buana. Comment? Est-ce que Dieu peut mentir? Dieu, mukorozi mabongo kweli. La parole de Dieu vient au prophète. Neno la Mungu nakuyaka nabii. C'est écrit. Inaandikwa. Que la parole de Dieu vient au prophète. Ya kwamba neno la Mungu na mkuiaka nabii. Même. Hata. Ce que nous venons de lire là. Ayeto to kusoma pale. C'est un prophète qui est avec. Ni nabii ndio aliyoiandika. C'est Moïse. Ni Musa. Il a écrit la Genèse, l'Exode. Aliandika kutoka, anaandika mwanzo. Lévitique. Walawi. Quoi encore? Nini tena? Nombre, Deutéronome. Esabu, kumbukumbu la Torah. Tous les cinq livres là. Il évita butanu vyote vile. Qui a écrit ça? Il aliandika. Moïse. Musa. Il était qui? Alikuwa nani? Un prophète. Nabi. Amen. La Bible dit dans Amos 3:7. Biblia nasema katika kitabu ya Amosi 3:7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien. Kwani Bwana Mungu afanye chochote. Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. La voix du prophète, c'est la voix de Dieu. Sauti ya nabii ni sauti ya Mungu. Amen. Quand un prophète parle, c'est Dieu qui parle. Wakati nabii anasema ni Mungu anasema. Amen. Amen. Mais il dit ainsi, dit le Seigneur. Mais quand Jésus est venu, c'était Dieu lui-même. Amen. Il ne peut pas dire ainsi, dit le Seigneur. Mais Jésus est Dieu lui-même. Lui disait, en vérité, kwa kweli kweli. En vérité, kweli kweli. Je, mimi. Je, mimi. Je vous le dis. Ambia. Amen. Amen. Jésus était Dieu. Yes, alikuwa Mungu. Il était je suis. Alikuwa mimi niko. Alléluia. Amen. Il était Jéhovah. Alikuwa Yehova. Il était Elohim. Alikuwa Elohim. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, Pekaleo. Il reste le même. Anabakia sawa sawa. Il est le créateur. Anakuwa muumbaji. Amen. Il est le docteur. Anakuwa munganga. Il est le rédempteur. Mkombozi. Il est le sauveur. Mkombozi. Retournons un peu à notre leçon. Turudie kwa kusomo yetu. Vous voulez qu'on puisse avancer un peu? Ce que Dieu dit à travers ses prophètes, ça doit s'accomplir. Vous êtes d'accord avec moi? Alors il y a eu un prophète qui a dit, alléluia, 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 alléluia. Moi l'Éternel, mi buana. Moi-même, je vous donnerai un signe. Mimi mwenye ndo wapatia alama.
Et tout le monde venait là pour écouter les prophètes. On avait beaucoup confiance à ce prophète Esaïe. Il dit dans Esaïe 7:14. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi moi-même le Seigneur, il vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et lui donnera le nom d'Emmanuel. Les gens ont dit oh non. Ce message, nous jugeons ça faux. Une Vierge. Bikira. Va concevoir. Surtout, il y avait un médecin là-bas qui était très très réputé. On lui posera la question du Honou. Ah, tu es maneno. Allez. Comment? Une Vierge. Bikira kabisa. Concevoir. Apate mimba. Ce qui est écrit. Est écrit. Amen. Alors, Sasa. C'est écrit. Il s'est dit quoi? Le Seigneur lui-même. Voilà, il vous donnera un signe. Attends, moi, je parle de la part du Seigneur. Une Vierge. Bikiranjo. Concevra. Atapata mimba. Et il est mort. Na kakufa yake. Deux cents ans. Miaka mia mbili. 300 ans. Rien. 800 ans. Un ange descend du ciel. Pour l'accomplir. Parce que c'était écrit. Marie dit, est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'une Vierge peut devenir enceinte? Qu'est-ce que je dirais à mon fiancé Joseph? Est-ce qu'il va croire? Amen. Amen. Il dit, je suis Gabriel. Gabriel. Je viens de la présence de Dieu pour accomplir ce qui était écrit par le prophète Esaïe. Je crois. Je suis la servante du Seigneur. Elle est allée raconter ça à son fiancé Joseph. Joseph a dit, ah non. Ah non. Ah non. Ah, je le mané, non. Je ne veux pas écouter ça. Vierge, tu disais que tu étais vierge. Et tu es rendu grosse par qui? Il dit par le Saint-Esprit. Joseph dit, quel Saint-Esprit? Anne-Marie dira, c'est écrit. Une Vierge concevra. Ah, laisse-moi ce problème. Je suis un homme bon. Je veux briser ces vœux-là. On ne va pas te lapider. Sinon, on devait te lapider. Comment? Tu dois dire exactement ce qui s'est passé. Mais la nuit. La nuit. Alléluia. Il avait prié, c'était un homme bon. Et non, je descends. Il dit, c'est moi qui avais vu ton mari et ta femme. C'est moi qui avais parlé à Marie. Moi. Je lui ai dit que cette grossesse vient du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je dois faire? Quand l'enfant viendra, tu lui donneras le nom de Jésus. Parce que c'est écrit. Je vais lire dans Matthieu, chapitre 1er, verset 22. L'ange lui dit, tout cela arriva
afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici la Vierge sera enceinte et l'enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Tout cela arriva parce que c'est écrit. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes content? Amen. L'ange était en train de prêcher ma prédication à Marie. Alléluia. Amen. C'est écrit dans Ésaïe 7:14. Et ça s'accomplit dans Matthieu 1:22-23. Pourquoi ça doit arriver? Parce que Dieu l'a dit à travers un prophète. Si vous avez compris, dites amen. C'est simple, non? C'est simple. Dieu a dit qu'une vierge concevra. 8 siècles après, la parole cherchait et la parole a trouvé la vierge. Et la parole a guéri la vierge. Et c'est accompli dans la vierge. Acclamez le Seigneur Jésus. Moi, je suis heureux de voir que vous comprenez très bien. Quelle audience! Vous êtes très, très intelligent. Hein? Ma classe est très intelligente. Écoutez bien. Je vais vous donner 2 témoignages. Jésus devait venir. C'est lui le Messie. Et les Juifs priaient tous les jours pour que le Messie vienne. Tous les jours. Les Juifs priaient pour que le Messie puisse venir. Pourquoi? Parce que ils avaient trop souffert. Si vous lisez l'histoire des Juifs, je viens de là où on était avec toi, Bin Chadi, mon fils. J'ai pleuré. Quand j'étais entré dans... Tu étais là quand je pleurais. Des millions de morts. On a mis leur nom. Des enfants qu'on a tués. Des femmes qu'on a tuées. Des hommes qu'on a tués. Simplement parce qu'ils étaient juifs. Oui, les Juifs ont souffert depuis des siècles. Et ils attendaient le libérateur. Le libérateur, c'est le Messie. Que Dieu leur avait promis. Le Messie arrive. Et la Bible dit, Jésus a fait des miracles et des miracles et des miracles. Il a marché sur l'eau. Il a ressuscité la fille de Jaïrus. Mais il ne croit pas. Oh, c'est un Belzéboul. Il a ouvert les yeux de qui? Bartimée. Ils ont dit, c'est un démon. C'est le chef des démons. Comment est-ce possible? Il va ressusciter quelqu'un qui était enterré 4 jours. Lazare. Dans la tombe. Jésus le ressuscite. Ils ont dit, nous refusons de croire. Nous refusons. Et alors, ils ont mis la main là. Nous ne croyons pas. Jésus a dit, si vous ne voyez pas, mais regardez au moins les miracles. Croyez en moi à cause des miracles. Ils ont dit, même les miracles, nous ne croyons pas. Ils ont dit, nous décidons de le tuer. Il fait trop de miracles. Nous devons le tuer.
Vous pensez ils l'ont tué pourquoi? Parce qu'il faisait trop de miracles. Au contraire, les miracles devaient les amener à croire en lui. Si vous lisez dans Matthieu 11, à cause du grand miracle là, de quelqu'un enterré 4 jours. Et Jésus arrive. La parole fait chair. Il vient là-bas. Dans ce cimetière. On était là. Le frère est en train de tu as dormi là-bas. Il a pris des pierres. Moi j'ai des pierres chez moi à la maison. Et Jésus arrive. Il a dit enlevez la pierre. Ils ont roulé la pierre. Jésus tout fier là. Fier. La parole lui-même. L'écriture elle-même. Il regarde. Il dit vous allez voir aujourd'hui. Léon. Vous allez voir. Lazare. Lève-toi! Sors! Et tous regardaient. Qu'est-ce qui va arriver? Et on voit un homme qui sort. Vous savez, il y avait des discussions là-bas. Il y a un monsieur qui s'appelait aussi Lazare. Qui était mort. Qui a dit, mais il a dit Lazare. Le diable lui dit, non, c'est pas toi. Est-ce que toi, tu es l'ami de Jésus? Lazare, toi, c'est toi. Il t'appelle toi. Acclamez le Seigneur. C'est pour cela que ça traînait un peu. L'homme a dit, moi aussi je suis là. Il dit, non. Tu vois pas. Les sœurs de Lazare, Marie et Marthe. C'est pas toi. Le diable a dit, reste là. Toi, tu es au cachot. Tu es dans les séjours des morts. C'est moi qui règne ici. Allez. Si maman. Il dit à Lazare, pars. Il a dit, Lazare, tu peux sortir. Même le diable ne peut pas t'attacher aujourd'hui. Aujourd'hui, le diable va te libérer. Aujourd'hui, le sida va te libérer. Aujourd'hui, la maladie va te libérer. Aujourd'hui, le péché va te laisser. Et Lazare est sorti vivant. Et ils sont allés là. Ils ont pris une décision. En tout cas, il doit mourir. C'est dans Matthieu 11. Vous avez vu? Ce qu'il a fait là-bas. Au lieu de croire, ils ont dit en tout cas, il a signé son arrêt de mort. C'est fini. Inaïcha. Son problème est terminé. On va le tuer. Pourquoi? Pour une bonne chose. Jésus a posé la question, vous voulez me tuer pourquoi? Pour une bonne œuvre. Alors on pose la question. Je vous pose la question. Pourquoi? Malgré tous ces miracles, ils n'ont pas cru en Jésus. Vous voulez la réponse? Jean, Johanna, chapitre 12. Sura 12. Non. Jean 12, oui. Johanna 12, twende kule. Jean 12, voyons un peu ce qui est écrit là-bas. Dani Johanna sura 12, twende kitu gani naandikwa. Oh! Jean 12, 37. Johanna sura 12, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Nini naandikwa huko? Pourquoi il ne croyait pas? Kwa nini habakuwa naamini? Avec tous les miracles là, il devait croire. Jusqu'à ressusciter quelqu'un enterré 4 jours en décomposition. Et
Jean 12, 37. Yohana 12, 37. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Pourquoi? Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe, le prophète, avait prononcée. Afin que s'accomplisse l'écriture. Ésaïe, toi aussi, qu'est-ce que tu avais encore dit? Vous voulez qu'on parte là-bas? Nous voulons savoir. Ésaïe. Isaïe, qu'est-ce que tu avais encore dit? Ésaïe 6, 9 dit. Isaïe sur la cite. Dieu lui dit, va et dis à ce peuple. Et vous, il dit, vous entendrez. Vous ne comprendrez point. Vous verrez. Et vous ne saisirez point. C'est Dieu qui parle à qui? À Isaïe. 800 ans avant. Avant la venue de Jésus. Il dit, rend insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles. Et pousse-lui les yeux. Pour qu'il ne voit point de ses yeux. N'entende point de ses oreilles. Ne comprenne point de son cœur. Ne se convertisse point. Et ne soit point guéri. Donc si vous comprenez, alors vous serez guéri. Amen. Donc Dieu envoie un prophète pour dire que quand Jésus viendra, peu importe le miracle qu'il fera, peu importe les preuves qu'il va donner pour montrer que c'est lui le Messie que Dieu a envoyé, ils seront aveuglés. Ils seront sourds à son message. Et ils ne croiront point en lui. Rentrons maintenant dans Jean chapitre 12. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, il ne croyait pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Et mes frères, mes soeurs, ce qui est écrit est écrit. Vous pensez que tout le monde va croire en Jésus? Jésus a dit, je me suis réservé 7000. Si tu crois, remercie le Seigneur. C'est que ton nom est dans le livre de vie de l'agneau. Certaines personnes peuvent voir des miracles, mais ils ne croient pas. Frère, parce que tu es juste devant lui. Merci. Il dit ceci. Qui a cru en notre prédication? Et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Je suis toujours dans Jean, chapitre 12, 39. Aussi ne pouvait-il pas croire? Parce qu'Ésaïe a dit encore. Il a aveuglé leurs yeux. Il a endurci leur cœur. De peur qu'ils ne voient des yeux. Qu'ils ne comprennent du cœur. Qu'ils ne se convertissent. Et que je les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Ce qui est écrit est écrit. Le monde entier va en Israël. Le monde entier croit en Jésus. Hein, frère? Nous avons posé la question à ce juif-là qui était notre guide, Monsieur Igal.
miséricale. Ah. Tu étais là. Pourquoi vous voulez pas? Merci. Est-ce que toi tu crois en Jésus? Il me l'a dit non. Yes, nous tous, les Juifs, si nous ne croyons pas en Jésus. Si Jésus. Il était un rabbin. Rabbin, un point d'entrée. Comme un prêtre. Pasteur. Personne ne peut dire qu'il n'était pas prêtre. Il était un rabbin. C'est tout. Pasteur, moi je parle. Comme Messie, même moi égal, je ne crois pas. Il n'y a pas longtemps. J'ai dit, ah, ce qui est écrit, est écrit. Pourquoi nous croyons en Jésus? Pourquoi les nations croient en Jésus? Vous voulez le savoir? Parce que c'est écrit. Que vous, vous allez croire en Jésus. Jésus va tourner le dos aux Juifs, à ses propres frères, pour avoir une femme dans les nations. Une femme qui va porter son nom. Cela est écrit. Ça doit s'accomplir. Vous verrez les gens qui viendront ici. Ils vont dire que nous croyons. Pourquoi? Parce que c'est écrit. Amen. Nous pouvons aller dans les Écritures. Prenez avec moi acte 28. Paul a prêché, il a prêché. Il a prêché. Paul était un très bon prédicateur parmi les meilleurs que Dieu a eu dans le monde. Saint Paul. Il a prêché. Il faisait des miracles. Il ressuscitait les morts. Wapi. Ils ne veulent pas croire. Ah. Hey. Ah. Verset 25. Comme il s'est retiré en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit parla à vos pères par le prophète Esaïe a dit. Va vers ce peuple dit. Vous entendrez de vos oreilles. Mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez de vos yeux. Mais vous ne verrez point. Qui parle ici? Paul. Paulo. Il respecte ce qui est écrit par Esaïe. Il dit avec toute l'intelligence que j'ai. Paul Paolo n'était pas seulement licencié. Il était professeur de professeurs. Il était romain. Il a prêché avec toute la profondeur. Nous, pas de résultat. Alors il va lui aussi écrire comme Jean a écrit. Il dit, c'est ça? C'est ce qu'Esaïe avait dit? Vous regardez de vos yeux? Vous ne verrez pas? Et, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leur cœur. Ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux. Et qu'ils n'entendent de leurs oreilles. Qu'ils ne comprennent de leur cœur. Qu'ils ne se convertissent. Et que je les guérisse. Maintenant, il va parler de vous. Il va parler de moi. Nous qui ne connaissons, on connaissait seulement les dieux de nos ancêtres. Maintenant, il va parler de nous. Nous allons connaître le véritable Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Son nom est Jésus-Christ. Amen. Si vous croyez aujourd'hui, dites amen. Amen. C'est à cause de la volonté de Dieu. Il nous a aimés avant la fondation du monde. Amen. Amen. Il dit Asema. Clairement. Wazi wazi. Acte 28:28. Sachez donc que le salut de Dieu a été envoyé aux païens. Et qu'ils
qu'ils l'écouteront. Ils croiront à Jésus. Eux, ils ne vont pas rejeter Jésus. Eux, ils vont voir. Ils vont croire. Ils seront sauvés. Alléluia. Pour exciter leur jalousie. Ah, vous refusez ce mari. Ah, sachez que il va prendre une femme chez les nations. Cette femme-là va l'aimer. Il va l'écouter. Il va l'adorer. Acclamez le Seigneur. Ce qui est écrit est écrit. Le peuple le plus spirituel, c'est le peuple juif. On a été là, il faut voir comment ils prient. Jello. L'évangile est vers vous. Et Dieu ne peut pas traiter avec les deux à la fois. Et bientôt il va terminer avec nous. Il attend que les derniers puissent entrer. Amen. Est-ce que tu es le dernier? Est-ce que tu entreras aujourd'hui? Amen. Amen. Prenez avec moi Romains chapitre 11. Oh. Aïe. Au verset 4, il dit, mais quelle réponse Dieu a-t-il donné? Je me suis réservé combien? 7000 hommes. Je. Mimi. Même si tu es aujourd'hui sauvé. Même si tu es aujourd'hui guéri. Qui te guérira? Jésus. Amen. Qui te sauvera? Jésus. Il t'a connu avant la fondation du monde. Quand Élie pleurait, Élie, je vous envoie prêcher, mais je sais qui sera sauvé et qui ne sera pas sauvé. Je me suis réservé 7000 hommes. Amen. Amen. Bounia. Est-ce que tu es du nombre des personnes qui seront élues, qui seront sauvées, que Dieu a connues avant la fondation du monde? Amen. Amen. Bientôt la porte va se fermer. Bientôt nous partirons dans l'enlèvement. Parce qu'Israël se prépare pour recevoir Jésus. Ils se préparent pour recevoir leur Messie. Et Dieu m'envoie à Bounia. Pour vous dire, il est plus tard que vous le pensez. Donnez votre vie à Jésus. Amen. Amen. Au verset 7. Romains 11, 7. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il n'a pas obtenu. Mais les élus l'ont obtenu. Donc parmi Israël, ce n'est pas tout le monde qui est rejeté. Il y a une partie que Dieu a endurcie. Mais il y a une partie que Paul appelle les élus. C'est la même chose avec les nations. Une partie va rejeter Jésus. Il va aimer le ndombolo. Il va aimer la danse, la boisson, la vie de ce monde. Mais une partie aimera la parole de Dieu, aimera Jésus et sera sauvée. Et vous êtes parmi ces gens-là. C'est clair. Tandis que les autres ont été endurcis. Ah! Il reprend ça encore. C'est Paul toujours qui écrit aux Romains. Selon ce qui est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement et des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre. Jusqu'à ce jour. Pas qu'à Léo.
jusqu'aujourd'hui. Mais vous, écoutez ce que Dieu vous dit. C'est le paragraphe, le verset 25. Romains 11. Car je ne veux pas, frères, sœurs, que vous ignorez ce mystère. C'est un mystère, ce que je vous prêche. C'est caché. Afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Jumla ya wapagano waweze kuingia. Ah. Amen. Quand il a dit la totalité des païens, cela signifie qu'il connaît le nombre. Il connaît le chiffre exact. Personne ne peut frauder. Amen. Alléluia. Il a dit là-bas, chez les Juifs, hein, je me suis réservé 7000. Et ici, il dit jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée dans le corps mystique de Jésus, dans le salut, alléluia, dans le royaume de Dieu. Amen. 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 Ah, alors ainsi tout Israël sera sauvé. Là, il va se retourner encore vers Israël. Quand vous allez faire un effort, je vais croire, c'est trop tard. Quand il se retourne vers Israël, c'est fini. Les nations, hein, continuez votre ndombolo, continuez votre pornographie, continuez votre vie de tous les jours, mauvaise vie là, parce que c'est terminé. Alléluia! Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, il est écrit que vous serez sauvés. Venez ici devant. Qui veut accepter le Seigneur Jésus aujourd'hui? Il est écrit que vous serez sauvés. Ce qui est écrit est écrit. Est-ce que je peux appeler quelqu'un? Venez ici. Il y a un homme qui veut accepter Jésus. Venez ici. Il est aussi écrit. Par ses meurtres issues, nous sommes guéris. Vous croyez à cela? Amen. Par les maîtrisures de Jésus, nous sommes guéris. C'est Esaïe 53. Personne ne peut changer cela. Après le salut de ces gens, je veux prier pour les malades, méprisés et abandonnés. Abandonnés des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. C'est qui? C'est Jésus. Semblable à celui dont on se détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Est-ce que c'est écrit? Est-ce que Jésus avait souffert? Par ses blessures, par ses souffrances, par son sang qui a coulé, aujourd'hui, vous devez être guéri. Ce qui est écrit est écrit. Amen. Vous croyez à cela? Amen. 8 siècles après, dans Matthieu 8, Jésus guérit les malades. Maintenant, Matthieu explique pourquoi Jésus avait guéri les malades. Le soir, on l'amena auprès de Jésus. C'est le verset 16.
Plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit tous les malades. 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Il a pris nos infirmités. Et il s'est chargé de nos maladies. Si Dieu te guérit aujourd'hui, parce que cela est écrit, est-ce que vous serez guéri? Est-ce que vous serez guéri? Pas moi. Moi, je ne peux pas vous guérir. Mais Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a écrit dans la Bible. Si vous croyez, vous serez guéri. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Je vais aller plus loin. Et je termine. Pierre. Petro. Donc, Esaïe a parlé. Isaïe. Et Dieu a guéri depuis l'Ancien Testament. Vous connaissez l'histoire du général. Comment il s'appelait encore? Naman. Vous connaissez. Comment il était guéri. Dans le Nouveau Testament. Dieu a guéri. Pour une seule écriture. Parce que Jésus devait mourir à la croix. Et souffrir pour nous. Avant de mourir. 1 Pierre 2, 24. Petro apili sura mbili makumi na ine. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps. Sur le bois. Juya muti. Je saute. Lui, par le maîtrise duquel vous avez été guéri. C'est fini. C'est dans le passé. Lui, par le maîtrise duquel vous avez été guéri. Pour Dieu, vous êtes déjà guéri. Dans l'Ancien Testament, il ne l'avait pas encore fait. C'était dans le futur. Quand il était venu, il l'a fait. Même quand il n'était même pas encore mort à la croix, il l'a fait. Il a guéri. Mais quand il est mort, ressuscité, il est allé au ciel. C'est terminé, non? Naïcha. Alors Pierre parle des dizaines d'années après. Lui par les maîtrises duquel vous avez été guéri. Si Jésus revenait aujourd'hui, vous lui demandez, guéris-moi. Il va dire, je vous avais déjà guéri. C'est que vous manquez la foi. Amen. Si vous aviez la foi, vous seriez guéri. Je crois que vous avez la foi. Si vous n'avez pas suffisamment de foi, moi j'ai la foi. Je vais appliquer aussi ma propre foi. Qui veut accepter Jésus comme son sauveur personnel? Qui vient ici devant? Celui qui n'a pas encore reçu le baptême au nom de Jésus. Jésus a parlé dans son cœur aujourd'hui. Viens ici devant. Donne ta vie à Jésus. Il est plus tard que vous le pensez. Il est mort pour toi à la croix. Il a payé le prix pour toi. Viens ici, n'aie pas honte de lui. Que Dieu vous bénisse. Qui encore veut recevoir le Seigneur Jésus? Que Dieu vous bénisse.
Bientôt, ça sera trop tard. Hey, comme la caouille est à la wasana. Il est mort à la croix pour toi. Allez, couvrons à la bas quoi qu'il y a. Toi qui viens d'avorter, viens ici devant. Jésus t'appelle, que Dieu vous bénisse. Toi, spécialiste des femmes, viens ici devant. Dieu t'appelle aujourd'hui pour te pardonner les avortements. Pour te donner le ciel. Pour te donner la paix. Pour te donner la vie éternelle. Qui veut accepter le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel? Kolo Yesu aboya kamo. Ata yo jali mabe Ngenyoso Ako benga yo solo Oya epai nanye Ako bongo la yo Okoma Sante Kolo Yesu aboya Yo jali mabe akobenga yo solo akobongola yo na jali koluka apate na ye Babunga kikana nakati ya lopango Kosonga epai na Yesu Okota nakati ya lopango Venez ici devant. Uja ukumbele. Venez ici devant. Donnez votre vie à Jésus. N'ayez pas honte. Lui, il était crucifié nu à la croix. Il était placé nu devant sa mère. Devant les sœurs. Pour toi. Pour te sauver. Viens tel que tu es. Il te changera. Tu ne seras plus le même. Qui encore veut venir à Jésus? Jésus t'appelle aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est ton jour. C'est ton jour. Je veux te voir ici devant. Je t'ordonne en tant que serviteur de Dieu. Qu'est-ce que tu attends? Jésus t'a montré son amour. Il a accepté de mourir pour toi. Viens tel que tu es. Jésus t'aime. Jésus m'a envoyé ici pour toi. Yesu asila kitoku fe na yo akamata kibikumba na yo nyoso akobenga yo solo oya epai na ye akopesa lo biko na koni Patena Yesu Babunga kikala Nakati alopango
qu'il y a encore une personne. Jésus t'appelle. Merci. Que Dieu vous bénisse. Moi je prie au Seigneur, j'étais très jeune. Dieu m'a béni. Je ne regrette rien. Il m'a béni. Et j'attends le ciel. Qui encore, qui encore? Il y a combien ici là? 40. Il y a une quarantaine de personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. La Bible dit, il y a la joie au ciel. Parmi les anges, quand une seule âme se repent. Si Dieu pouvait ouvrir vos yeux, il y a des anges ici. Ils sont très contents. Acclamez très fort. Répétez en swahili. À haute voix. Dieu, notre Père céleste. Nous avons écouté ta voix. Nous acceptons Jésus comme notre sauveur personnel. Tu as dit, ulisema, je ne mettrai pas dehors sita watia inje, celui qui vient à moi. Mwena kuja kwangu. Change-moi. Nibadirishe. Donne-moi ta nature. Nipatie umbo lako. Donne-moi le Saint-Esprit. Nipatie roho takatifu. Merci, mon Dieu. Asante Mungu wangu. J'accepte Jésus aujourd'hui. Nakubali nakuja leo. Je suis sauvé. Naokolewa. Parce que c'est écrit. Kwa sababu imeandikwa. Je te remercie. Nakushukuru. Mon Dieu. Mungu wangu. Au nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Seigneur Jésus. Bwana Yesu. Ils sont à toi. Ni wako. Je te les donne. Na wakupatia nao. Je les place dans ta main. Na waweka mikononi mwako. Un jour, siku moja, quand nous serons au ciel, tutakapokuwa mbinguni, je vais te demander chacun. Nitakuuliza kila mmoja wao. Tu es celui qui protège sûrement. Wewe unalinda. Nous serons avec eux. Tutakuwa pamoja nao bila shaka. Merci Jésus. Asante Yesu. Parce que c'est toi qui l'as fait. Kwa sababu wewe uliyafanya. Remplis-les du Saint-Esprit. Wajaze na Roho Takatifu. Que le monde voie un changement dunia yaone mabadiriko dans chacun d'eux. Dans
kila mmoja wao. Au nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Acclamez très fort. Mshangilie nguvu sana tena mara nyingine. Pasteur, mchungaji, nous pouvons encore une fois applaudir le Seigneur pour ces âmes sauvées. Je sais que parmi vous, il y a des malades qu'on doit prier pour eux. Et on ne peut pas vous amener, on va vous amener dans les eaux de baptême aujourd'hui. Afin que vous soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Ili mubatizwe katika jina la Yesu Kristo. Après avoir confessé vos péchés. Kisha kukiri zambi zenu. Afin que Dieu vous pardonne. Ili Mungu awasamehe. De toutes vos offenses. Makosa yenu yote. Et que vous soyez candidat à la réception du Saint-Esprit. Na mkwe wa mmoja anangoja kupata Roho Takatifu. Qui sait? Nana najua. Peut-être demain quand la sienne va prier pour les gens pour le Saint-Esprit. Sasa zingine kesho wati muzee ataombea watu juu ya Roho Takatifu. Tu peux recevoir le Saint-Esprit. Unaweza pokea Roho Takatifu mara moja. Qui est la vie éternelle. Aina kwa uzima wa milele. Afin que tu puisses être enlevé quand l'enlèvement aura lieu. Ili uweze kunyakuliwa wakati kunyakuliwa itatendeka. Ainsi. Hivyo. Votre occasion est là. Bahati yako ndio hii. Le diable a essayé de te retenir. Shetani alijaribu kukufunga funga. Mais tu l'as défié. Hakuna mpinga. Tu es venu. Unakuja. Garde ta foi. Linda imani yako. Garde ta conviction. Linda thibitisho yako. Jusqu'à ce qu'on ait vous baptisé. Paka waende kuwabatiza. Ainsi pour que ne puisse pas retourner là où vous étiez. Ili msije kurudia kwenye mlikuwa. Rassemblez-vous ici. Mukusanyike hapa. Passez tous comme ça. Wote mpite ngambo ya huku. Rassemblez-vous ici. Mukusanyike ngambo ya huku. Et le pasteur a un autre service maintenant à faire. Na mchungaji ana ibada nyingine ya kufanya. C'est l'appel pour prier pour les malades. Ni wito kwa ajili ya kuombea wagonjwa. Et quand il va terminer à prier pour les malades. Wote atamaliza kuombea wagonjwa. Les véhicules sont là. Mitugari ko pale. Ils vont vous transporter. Yatawachukua. Au tabernacle Bethel, tabernacle. Kumaska di Bethel. Dans le baptistère. Fazi ya ubatizo. Vous serez baptisés aujourd'hui. Mutabatizwa leo leo. Aujourd'hui même. Léo, Léo. Les joailliers et sa famille, on les avait baptisés même la nuit. Oui, bon, les joailliers na mke wake walibatiza ka usiku. Les joailliers. Parlez. Mchunga mlango alibatiza ka usiku ile na mke wake. Lui et sa famille se baptisaient la même nuit. Walibatiza ile ile usiku. Et vous aussi. Na nyinyi pia. Vous serez baptisés aujourd'hui même. Mutabatizwa leo leo. Les Éthiopiens. Ule toachi ya Ethiopia. Il quittait Jérusalem pour retourner à Éthiopie. Alikuwa toka Yerusalem arudi Ethiopia. Quand il a dit que baptisez-moi. Aliposema ni baptize. Il a dit voici l'eau du baptême. Asa maya ubatizo njoo ila hapo. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Nini nazuia tena ni baptizwe? Ils arrêtèrent le char. Wasimamisha gari. Ils ont descendu dans l'eau. Wakashua tena mai. Et Philippe l'a baptisé. Na Philippe akambatiza. L'homme est parti. Ule mtu akajiendea. Philippe a disparu. Na Philippe katoweka. Vous serez baptisé aujourd'hui. Vous baptisez tout léo léo. Vous recevez votre salut aujourd'hui. Vous tapokea wokovu wenu léo léo. Et si vous faites une repentance sincère. Hivyo mfanye njoo kutubu ya na uaminifu yote. Et si vous le faites sincèrement. Kama unaifanya uaminifu yote. Demain. Kesho. Vous pourrez recevoir le Saint-Esprit. Munaweza pokea Roho Takatifu. Parce que le Saint-Esprit. Kwani Roho Takatifu. Ça se communique. Inapitiziana. Il est sorti de Pierre. Il est tourné à Pétro. Pour entrer dans la maison de Corneille. Kuingia ndani ya nyumba ya Corneille. D'Anania, toka na Anania, pour entrer Paul. Kwa kuingia na Paulo. Da Paul, toka na Paulo, pour entrer les Éphésiens. Kuingia na ba Efeso. Le Saint-Esprit se contamine. Roho Takatifu inaambukiziana. C'est pour cela que vous devez avoir un conducteur qui a le Saint-Esprit. Jo kwa mama unapasha kuwa na mwongozi mwenye na Roho Takatifu. Car Pierre. Wati Petro. Avait dit à la porte la belle. Alifia kwa mlango la belle. Ce que j'ai. Enye niko nayo. Je te le donne. Nakupatia. Lève-toi et marche. Amka tembea. Et si tu es un pasteur sorcier. Kama una mchungaji mulozi. Il sait qu'il a la sorcellerie. Anajua una ulozi yake. Il va te donner la sorcellerie. Atakupatia ulozi yake. S'il a la magie. Kama una uchawi. Il va te donner la magie. Atakupatia uchawi. S'il a le Saint-Esprit. Kama una Roho Takatifu. Il va te donner le Saint-Esprit. Atakupatia Roho Takatifu. Vous avez la grâce. Una neema. D'être là. Ya kuwa pale. Quand notre pasteur est là. Wati mchungaji atakuwa pale. Il a le Saint-Esprit.
Il priera pour vous. Vous recevrez le Saint-Esprit. Et toi qui es là, qui est déjà baptisé, qui n'a pas le Saint-Esprit, ayez foi en Dieu. D'autres ont reçu ça hier. Et demain pourra être pour toi. Ainsi, restez là. Peut-être ceux qui sont malades, quand on va appeler, venez pour la guérison. Récupérez votre bénédiction. Même si tes affaires ne marchent pas, nous avons la clé d'ouvrir. Jésus a dit, ce que vous allez ouvrir ici, il va ouvrir là-bas. Même si tu n'as pas des enfants, on va ouvrir les enfants pour toi aujourd'hui. Ta stérilité sera jetée au loin et Dieu va t'accorder les enfants. Ayez foi en Dieu. Si tout ne marche pas, tout marchera. Si tout ne marche pas, tout marchera. Tout ne marchait pas hier, mais tout marchera demain. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Les gens de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Ta famille te faillira, mais Jésus ne change pas. Tu vois, Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Les hommes de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Nous allons demander à notre évêque, notre papa, Baba Wetu, notre ancien, Mzee Wetu, de s'approcher Karibie, dans la gloire de Dieu, katika utukufu wa Mungu, qui l'accompagne, inamsindikiza, pour vous donner ce qu'il a. Wapatie inakuwa pale. Moi je suis rien. Mimi siko kitu. Je suis là pour vous introduire mon pasteur. Niko tu pale kumuingiza mchungaji wangu. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu akubariki. Mon fils. Mwana wako. Le pasteur Ben Bilombe. Mchungaji Ben Bilombe. Namakasina gaite, namolimo na yo yawe, namonyonse koki. Est-ce qu'il y a des malades ici? Venez ici devant. Si cet endroit se remplit, vous pouvez rester même derrière Jésus pour vous guérir. Même là-bas au fond.
touchez la partie qui vous fait mal. Tia mkono pahali yeye unakuwa na magonjwa. Touchez la partie qui est malade. Tia mkono yako pahali yenye magonjwa iko. Mot de tête, touchez la tête. Kama kichwa kuluma, tia mkono kukichwa. Fièvre. Kama iko homa, touchez la tête. Tia mkono kukichwa. Sida. Kama ko sida, touchez la tête. Tia mkono kukichwa. Si vous avez amené un sourd muet, kama umeleta bubu mwenye asiki yake, mettez ses propres doigts dans ses oreilles. Tia bakidole yake au le mgonjwa ule bubu mwenye asiki yake au le mtie kwa masikio yake. Ou alors vos doigts. Au tia basi kidole yako kwa masikio yake. Si vous avez les myomes, fibromes, kama kuna myome au fibrome ou un problème dans votre appareil génital, mettez la main là. Tia mkono wako pale. Tia mal. Fasi yenye magonjwa iko. Hernie, touchez. Kama ko hernie. La partie. Tia tu fasi ile hernie iko. Se trouve hernie. Tia pale mkono. Ainsi de suite. Kazalika. L'aveugle touche ses yeux. Kama uko kipofu aonake tia mkono ku macho. Seigneur Jésus. Bwana Yesu. Je leur ai dit nimewaambia la vérité. Kweli. J'ai même ouvert le secret niwafungulia siri de mon ministère. Ya huduma wangu. Du ministère de Frère Branham. Ya huduma ndugu Branham. Du ministère d'Osborne. Ya huduma ya Osborne. De tout serviteur de Dieu. Ya watumishi wa Mungu wote. Ce qui est écrit. Yenye naandikwa. Doit s'accomplir. Yanapasha timilika. Ils croient cela. Wanayaaminia. Maintenant, c'est ton travail, oh Dieu. Sasa ni kazi yako, Mungu. Moi, je ne peux que prier. Mimi naweza tu kuomba. C'est toi qui guéris. Ni wewe unaponyesha. Descends en ces lieux, Seigneur. Shuka ipali, Mungu. Pour confirmer. Kwa kuthibitisha. Que le message de Frère Branham est la vérité. Kusema ujumbe wa ndugu Branham kwa kweli. Que la Bible est la vérité. Ya kwamba Biblia iko kweli. Je te le demande dans le nom de Jésus-Christ. Na kuomba yao katika jina la Bwana Yesu Kristo. Toi démon d'AVC. Oui, démon AVC. Au nom de Jésus-Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Sors de leur corps. Toka ndani ya mili yao. Et va dans les lieux arides. Wende nyikani. Que les boiteux marchent. Biwete watembee. Démon d'appendicite. Démon d'appendicite. Au nom de Jésus-Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Sors de leur corps. Toka ndani ya mili yao. Fais l'opération. Faya upasuaji. Sans cicatrice. Bila kidonda. Tu es le docteur Jésus. Kanga Yesu. Démon de calcul rénal. Démon de calcul rénal. Au nom de Jésus-Christ. Jina la Yesu Kristo. Sors de leur corps. Va dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Jina la Yesu. Que les reins, tous les reins malades soient guéris. Démon de cancer des seins. Démon de cancer des seins. Cancer des poumons. Cancer de la gorge. Cancer de prostate. Cancer de l'utérus. Cancer de la matrice. Cancer de l'ovaire. Toutes sortes de formes de cancer dans le corps humain. Au nom de Jésus. Sortez de leur corps. Allez dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ. Démon de la carie dentaire. Au nom de Jésus. Sors de leur corps. Démon de cataracte. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leurs yeux. Sors de leur corps. Et va dans les lieux arides. Seigneur, opère l'opération sans cicatrice. Enlève les cataractes de leurs yeux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Démon de cécité. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Allez dans les lieux arides. Démon de glaucome. L'hypertension des yeux. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Allez dans les lieux arides. Démon de diabète. 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 Au nom de Jésus. Sors de leur corps. Va dans les lieux arides. Démon de l'infantiasis. Au nom de Jésus. Sors de leur corps. Que leurs jambes redeviennent normales.
Démon d'épilepsie. Démon qui fafa. Au nom de Jésus. Épilepsie. Qui fafa. Sors de leur corps. Au nom de Jésus-Christ. Et va dans les lieux arides. Je te le donne. En tant que serviteur de Dieu. Démon de fibrome. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démon de fièvre typhoïde. Au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps et va dans les lieux arides. Démon de la folie, au nom de Jésus, sors de leur corps. Que leur tête redevienne normale. Que les fous soient guéris. Au nom de Jésus-Christ, démon de furoncle et toutes les maladies de la peau. Au nom de Jésus-Christ, sortez de leur corps. Allez dans les lieux arides. Démon de goitre, au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps et va dans les lieux arides. Démon de goutte, au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps et va dans les lieux arides. Démon de freinage, démon de freinage, de blocage. Au nom de Jésus-Christ, sortez de leur vie. Ils sont délivrés de tous les mauvais esprits qui bloquaient leur vie. Ils sont libérés de cela. Au nom de Jésus, je brise tous les liens de famille. Au nom de Jésus, je brise tous les liens de famille. Sortez de leur vie. Au nom de Jésus-Christ, ils sont libérés de ces liens. Démon des hémorroïdes, au nom de Jésus-Christ, sortez de leur corps. Allez dans les lieux arides. Démon de la hernie, au nom de Jésus, sortez de leur corps. Allez dans les lieux arides. Démon de l'hernie discale. Au nom de Jésus et toutes les maladies du dos. Au nom de Jésus, sortez de leur corps. Allez dans les lieux arides. Démon de l'hypertension. Au nom de Jésus, sortez de leur corps. Allez dans les lieux arides. Démon de l'hypotension. Au nom de Jésus-Christ, sortez de leur corps. Allez dans les lieux arides. Démon de kystes de verre et toutes sortes de kystes, kystes d'amibes, au nom de Jésus, sortez de leur corps. Allez dans les lieux arides. Démon de la lèpre, au nom de Jésus-Christ, sortez de leur corps. Allez dans les lieux arides. Démon de maladie du sommeil, au nom de Jésus-Christ, sortez de leur corps. Allez dans les lieux arides. Démon de maladie des nerfs, au nom de Jésus, sortez de leur corps. Allez dans les lieux arides. Démon de maladie de démangeaison, au nom de Jésus-Christ, sortez de leur corps et va dans les lieux arides. Démon de la fièvre jaune et toutes les maladies de foie, au nom de Jésus, sortez de leur corps. Allez dans les lieux arides. Démon de toutes les maladies cardiaques, au nom de Jésus-Christ, sortez de leur corps. Et allez dans les lieux arides. Démon de toutes les maladies du cœur, au nom de Jésus, sors de leur corps et va dans les lieux arides. Démon de bibon, au nom de Jésus, sortez de leur corps. Allez dans les lieux arides. Démon des yeux qui louchent, au nom de Jésus-Christ, sortez de leur corps. Allez dans les lieux arides. Démon des gens qui voient flou. Au nom de Jésus, sortez de leurs yeux. Allez dans les lieux arides. Que leurs yeux soient guéris. Que les aveugles puissent voir. Que les yeux des aveugles s'ouvrent. Maintenant même. Au nom de Jésus-Christ. Que les aveugles puissent voir.
Au nom de Jésus, démonez toute malformation corporelle. Au nom de Jésus, sortez de ce corps. Allez dans les lieux arides. Sortez de leur corps. Demandez la hernie. Au nom de Jésus, sortez de leur corps. Allez dans les lieux arides. Demandez obésité. Au nom de Jésus, sors de leur corps et va dans les lieux arides. Demande maladie de cholestérol. Au nom de Jésus, sors de leur corps. Va dans les lieux arides. Demande la surdité. Demande sourd-muet. Au nom de Jésus, sors de ces gens. Que les aveugles puissent voir. Que les muets puissent parler. Que les sourd-muets puissent commencer à entendre. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux des aveugles, Dieu. Ouvre les oreilles. Ouvre les oreilles des sourds. Au nom de Jésus. Démonie maladie du cerveau. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Et va dans les lieux arides. Démonie de faiblesse sexuelle. Au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps et va dans les lieux arides. Démon de frigidité. Au nom de Jésus, sors de leur corps et va dans les lieux arides. Démon de perte de mémoire. Démon d'amnésie. Au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps et va dans les lieux arides. Démon de banditisme. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Et va dans les lieux arides. Démon d'escroquerie. De vol. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Et va dans les lieux arides. Démon bossu. Au nom de Jésus-Christ. Sors. Et va dans les lieux arides. Démon qui pousse les gens à l'avortement. Au nom de Jésus. Sors de ces gens. Démon de sinusite. Au nom de Jésus. Sors de ces gens. Démon de toutes les maladies des femmes. Au nom de Jésus-Christ. Sors de ces gens. Démon de paralysie faciale. Au nom de Jésus, sors de ce corps. Démons de toutes sortes de maladies vénériennes. Plénorragie. Gonococcie. Syphilis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors de leur corps. Et va dans les lieux arides. Démons des accidents. Au nom de Jésus. Sors de leur corps. Démons des morts subites. Au nom de Jésus, sors de leur corps. Démon d'asthme. Au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Démon de la toux. Au nom de Jésus, sors de leur corps. Démon de la tuberculose. Au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Démon de tétanos. Au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Démon de cirrhose de foie. Au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Démon de stérilité. Au nom de Jésus, sors de leur corps. Que les femmes stériles puissent enfanter. Démon du sida. Démon de sida. Au nom de Jésus. Sors de leur vie. Sors de leur corps. Sida, tu n'as plus le droit de régner sur la personne qui croit en Jésus. Qui croit que Jésus m'a envoyé. Sors de sa vie. Et va dans les lieux arides. Démon. De maladie SS. Au nom de Jésus, sors de leur corps.
démons de rhume, au nom de Jésus-Christ, sort de leur corps. Démons de rhumatisme, au nom de Jésus-Christ, sort de leur corps. Démons de pneumonie, au nom de Jésus-Christ, sort de leur corps. Démons de perte de sang, au nom de Jésus-Christ, sort de leur corps. Demande paralysie. Au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Que les jambes paralysées puissent se réparer maintenant. Puissent se redresser maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute paralysie redevienne normale. Pour la gloire de Jésus. Demande prostitution. Au nom de Jésus. Jésus, sors d'ici, sors de ces femmes, prostitution, au nom de Jésus-Christ, quitte ces femmes et va dans les lieux arides. Esprit de sacrifice, toute personne qui a été sacrifiée ici, Seigneur, qui ne meurt pas. J'arrache sa vie. Des mains des sorciers qui l'ont sacrifié, que sa vie revienne dans son être maintenant même au nom de Jésus. J'ordonne à l'ombre de la mort de les quitter, de quitter toute personne qui se trouve ici au nom de Jésus. Il n'y a pas de maladie incurable. Il n'y a pas de maladie incurable. Soyez guéris au nom de Jésus. Demandez sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Sorcellerie de la famille qu'on vous a donné alors que vous ne savez pas. Sortez. Sortez de ces gens. Quittez ces gens. Sortez de leur vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise tous les liens de ces familles. Tous les liens de coutume. Tous les liens de la magie. Au nom de Jésus. Que ça soit sans force. Devant ceux qui croient en Jésus. Et qui sont devant moi ici. Demande de sirène. Mami Wata. Demande de sirène. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sortez de ces gens. Sortez de ces gens. Sortez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'aucun démon de sirène ne reste ici. Ces femmes croient au Seigneur Jésus. Je brise tous les liens qu'ils avaient fait avec toi. C'est terminé. Ils sont libérés de tout mariage de nuit. Demande de mari de nuit. Demande de femme de nuit. Au nom de Jésus-Christ, je brise ces mariages-là. Sortez de leur corps. Sortez de leur vie. Ce mariage n'existe plus. Femme de nuit. Sors de leur vie. Marie de nuit. Sors de leur vie. Rentre là-bas. Dans ta sorcellerie. Ils sont libérés de tous ces mariages de nuit. Au nom de Jésus. Ils sont libérés. Demande mal de dos. Au nom de Jésus-Christ. Sortez et allez dans les lieux arides. Démons de nerfs sciatiques. Au nom de Jésus. Sortez de leur vie. Que leur corps soit guéri. Que tous les nerfs de leur corps soient en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Vous les démons que je n'ai pas cités ici. Et tous les démons que j'ai cités ici. Sortez. Quittez. Quittez ces gens. Quittez ces gens. Au nom de Jésus. Ils sont libérés. Ils sont guéris. Ils sont guéris par la puissance de Dieu. Seigneur, je leur ai dit qu'il est
écrit, par tes maîtrises, ils sont guéris. Ils croient cela, Seigneur. Ce qui est écrit est écrit. Guéris-les, Seigneur. Pour prouver que ta parole qui est dans la Bible est la vérité. Je le crois. Il croit ça aussi. Maintenant, opère le miracle. Opère le miracle de la guérison divine. Maintenant même, soyez guéris. Qui a la foi pour être guéri? Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Appliquez votre foi. Appliquez votre foi. Que les boiteux marchent. Que les aveugles voient. Que les malades soient guéris. Que les stériles soient guéris. Croyez simplement. Dites à haute voix. Je suis guéri. Encore une fois. Encore une fois. Je suis guéri. Maintenant, touchez la partie qui vous faisait mal. Et voyez ce que le Seigneur vient de faire. Je crois qu'il vous a guéri. Parce que sa parole est la vérité. Et venez ici pour témoigner Jésus. Faites la chose que vous étiez incapable de faire. Faites la chose que vous ne pouviez pas faire. Bougez. 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 Montrez à Satan que toi tu es guéri. Montrez à Dieu que tu le remercies. Je peux aller plus loin. Sautez. Ruka. Sautez. Ruka. Sautez. Ruka. Sautez. Ruka. Sautez. Ruka. Votre Dieu vient de vous guérir. Ruka. Il est Dieu. Anakuwa Mungu. Peu importe là où vous êtes. Il vous a déjà guéri. Même si vous êtes loin. Même si vous êtes loin là-bas. Il vous a déjà guéri. Si vous croyez à ce qui est écrit par ce maître sûr, il vient de vous guérir. Qui a expérimenté sa guérison? Venez ici pour témoigner. Qui a vu un changement? Venez ici pour témoigner. Il est Dieu. Quand vous voyez un miracle, c'est la guérison miracle. Mais la vraie guérison n'est pas la vraie guérison miracle. La vraie guérison, ça traîne. Ça fait 4 jours. La maladie vient de vous quitter. Mais dans 4 jours, vous reviendrez pour donner le témoignage. La maladie que vous aviez est morte. La maladie est morte. Même si vous touchez, vous sentez que ça se trouve là. L'esprit n'est pas là. Je chassais l'esprit qui était là. La maladie est déjà morte. Et en 4 jours, ça va pourrir. Et vous vous sentirez mieux. Ne perdez pas votre foi. Continuez à maintenir que vous êtes guéri. Et vous viendrez témoigner. Jésus ne peut pas mentir. Ce qu'il a dit est la vérité. Vous allez écouter quelques témoignages. Ça va vous donner encore la foi. Ceux qui ont été guéris même hier, qui n'avaient pas donné les témoignages, aujourd'hui, vous pouvez donner les témoignages. Quel est votre nom? Votre nom? Mon nom c'est Bosofe. Bosofe? Oui. Qui? Bosofe Mumbere. Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Dieu vient de me guérir de kyste d'amibe que j'ai eu à partir de 2008. Depuis 2008. Depuis 2008, ça a été incurable. Maintenant, c'était incurable. Oui. Comment est-ce que vous sentiez ça? Je sentais que
je suis allé même visiter les médecins. Les médecins. Ah. Et on m'a donné des médicaments, mais ça n'a pas allé. Ah. Et j'ai fini par désespérer, me laisser ainsi. Maintenant, je suis guéri. Comment vous savez que vous êtes guéri? J'ai touché la partie qui, il y avait des douleurs. Il y avait des douleurs. Oui. Et le Seigneur a enlevé ça. Les douleurs sont parties. Ça fait combien d'années? Ces douleurs. Oui. C'est à partir de 2008. Nous 6 ans de souffrance. Tu peux traduire. Iko tangia miaka 2008. Nilikuwa nasikia na kiste amibe. Nilishinda kwa munganga aina yote. Paka mimi na kata tamaa yote. Akini saba alisema tuombe, tutie mkono fasi kuna luma. Nilikuwa nasikia maumivu ndani, nasikia maumivu yote naisha. Naamini Mungu ananiponyesha, nashukuru Bwana Mungu. Amen. Jina langu Bosorfe Mumbere. Votre nom? Christian Kibuzia. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Ma tête vraiment. Qui tu as voulu na uma? Il quoi nani déranger ça? Ah papa. Eh ça y est, tu ni sangai mingi hawa. Nishauza dawa mimi nakunya. Utu na siri kusomba kisi ya gomela. Sasa vraiment mimi nasikia kichwa. Hawa boy nazoka penza kimya. Oh. Sina reste fort. Ah, sina reste fort kwa isha nunua. Maintenant tu n'as plus besoin de ça. Sasa uhitaji tena. Le Seigneur t'a guéri des maux de tête. Bwana anakupa makucha kwa. Acclamez le Seigneur Jésus Christ. Bwana Yesu Kristo. Qui encore a été guéri? Nani tena aliponyeshwa? Venez ici pour témoigner. Ça donnera la foi à quelqu'un ici. Imani kwa mtu mwingine. Votre nom? Gina. Frère Michel nani? Frère Michel. Michel nani? Michel Liripa. Michel Liripa. Oui. Siku mingi nilisumbukiwa na kiste na maugonjwa mingi ya tumbo. Na nyokwa mingi na kiste amibe na bapasi musuwe na kati ya libumu. Na uzaifu ya kimwili. Na joto mbezake usua, ekosua. Na maki ugonjwa yote ya makicho. Na pasi musu ya mutu. Wakati nifika tu hapa vrema nilikuwa gravema maladi niko libere. Kumba kinga ya wanazaki na pasi mingi sikuwa naza libere. Sasa niko huru. Ah wanaza libere. Le Seigneur t'a guéri. Oh, acclamez très fort le Seigneur Jésus. Bwana Yesu sana. Votre nom? Jina lako. Jina lango Moise Kukwabo Kabila Bo. Jina lango Moise Kukwabo Kabila Bo. Kama nimefika hapa. Soki na kome hawa. Ninafika kuleta ushuhuda. Na yeko tatola. Kwa sababu tangia siku ya pili. Poete banda mardi. Pale kukalisa yetu komanda. Kuna negizi na biso na komanda. Mutumisha alihubiri. Mote ya teaki. Ya kwamba. Ete. Wakati tutaenda kule kwa Bunia. Eko koma biso kuna na Bunia. Kila muta kwe na imani ya kwamba. Moko na mokazi na kondima ete. Apate kupata benefisi. Azwa benefisi. Ya uduma. Ya minister. Ya ule mutumishi. Ya omo sali. Atakayofika Bunia. Owe ya kukoma na Bunia. Ndiyo papa kasongo. Mungu mbariki. Kolo nzaba pambula ye. Na wakati ninafika hapa. Eko minga yawa. Kutawa komanda bali puazo nimi na puazo ya karoho. Kuhuta na komanda bapesa nga puazo ya karoho. Ata kutoka sasa nilifika niku natumizia ile dawa. Koma kinga yawa nazeko mela kutukisi wana. Tangia jana wakati tulipanda mbele banda lobby tangu tomataki tangu babenga biso po bond la pona biso nikaanguka kwa imani na kweke na kanda kondima nani nilipata uponyaji pena zwaki dibiki na ngai wakati ilikuwa natobora ndana bare ezaki kwa tuba ngana na bagre atakoki na beti libuye na siri kobika na siri kobika na siri kobika. Amen. Amen. Na makasi na ngai te Nangu ya nangai teo Na moli mola yonzambe Yango nyonso C'est de prier, cette guérison c'est de prier. Il est au poignard et tangi à Djana. Nangu ya nangai teo Na moli mola yonzambe Yango nyonso koki Jina yako Pascal Siwakani. Pascal. Comment on si. Pascal Siwakani? Ernie. Testile moko ezalakate. Na koli ezalakate.
nilikuwa na shida ingine basi mususu velo linitwandaka sana ya vita ni mguu wangu ikapata shoke na tutamaki na velo na tango na bitumba na zwaka shoke na lokoloyo ya mobali leo sasa niko natoka mungwalo jana lobi ebutanga na mungwalo shoke ile ilianza luma sana e baadaye pesa kama pasi mingi nikafia kwa na imani mimi nasema sasa nafika kule buni niko sivile shoke na yeye na Obi tangu nakoma na buna ebi ete kubika. Sasa mimi nafika hapa. Tangu nakomi hawa saba nafanya apele ya batu kuponeshwa. Tangu wabengi batu pubaya po baba la pona bango. Mimi nazongea hapa fasi. Na yeli bozo. Saba nanja kuomba. Tangu wandu bondela. Na kusema juu ya magonjwa mbalimbali. Polo bali kona bapasi kotanga bakombo. Mimi kwanza upako mwe nashuka juu ya. Na yoki mwa oxwe kitilikona ngai. Mimi naguza mimi naona mbegu inaanza kujileta. Na simbi na yo kiteskile bandiko ya. Yenye niko nasema iko kweli. Ona zoro benza solo. Na mimi napika mkulu. Na tushelo wako boye lokolo. Shoke inaenda. Shoko wale keinyoso. Na mimi naamini. Na ndiviete. Mimi nakuwa mzuri. Na komi malamu. Yesu iko mkubwa. Yesu za monene. Damakasi na ngai. Aye, aye. Dieu a créé un testicule. Il est né sans testicule. Et ce testicule est créé ici. Est-ce que moi je peux le faire? Non. Yesu. Oui, jina konani. Comment ronani? OK, je vais m'exprimer en français. Moi je m'appelle Wani Chan, mais à partir d'hier, ce nom Wani Chan est changé, c'est devenu Wani Rot. Mimi niko naitwa Wani Chan. Tangia jana le jina Wani Chan aache na kwa Wani Rot. Voilà, c'est ça. Je vous sema nini? Wani Chan, ça signifie. Wani Chan, maana yake? Nous sommes à souffrance ou bien dans des malheurs. Tuko ndani ya mateso tu. Mais depuis hier quand j'ai été baptisé. Tangia jana nilipo baptiziwa. Le nom là Chan devient Christ seulement. Yele jina geuka na kwa Kristo. C'est-à-dire nous sommes en Christ. Tuko katika Kristo. Wani Rot. Alors, moi, quand je suis passé devant vous, c'est pour un grand témoignage. Je suis à Kubwa. Moi, Mimi. J'ai été menacé vraiment par cette maladie-là qu'on appelle hémorroïde. Nilikuwa na teso na ile magonjo inaitwa hémorroïde. Ça m'a menacé pendant plusieurs années. Imeniteza miaka mingi. Quand vous me voyez en 2002, j'ai été baptisé dans cette religion-là appelée adventiste. Kwa mwaka 2002 baptisé kwa ile dini inaitwa adventiste. J'ai été là jusqu'à 2008. Nilikuwa kule mpaka miaka 2008. Alors cette affaire avait commencé à me menacer à partir de 2006 comme ça. Je partais à l'église. J'allais pour compris pour moi. Alors vous voyez, il n'y avait pas de changement. Akukua na mabadiriko. Je dis qu'est-ce que je peux faire. Nikasa ndafaba sinjo nini. Alors sasa la condition de cette église m'avait rejeté. Ikanitupa nje. Je suis resté comme ça. Nikabakia hivyo. Alors j'ai commencé à raisonner. Nikaanza fikiri. Cette maladie là me menaçait toujours. Ile magonjwa yananitesa. Quand je devais aller par exemple au WC, comprenez combien je dois sentir de douleur là. Wakati mimi naenda kuchoo kwenda ku WC kuyamba. Muone namna gani mimi nateseka. Alors, maintenant je suis professeur à Dala. Ça n'est qu'un professeur à Dala. Bon, quand je suis arrivé ici, n'importe qui qui a pas cette affaire est rentrée encore. Il est maman, gauche, ça a commencé à me menacer. Là, il y a une tessa.
J'ai commencé à prendre des médicaments dans des pharmacies. J'allais dans des petits dispensaires. Ça ne tenait pas. Alors je suis allé tout simplement voir les frères de cette église. J'ai commencé à prier avec eux. Alors ces gens ont commencé à prier vraiment sur ma maladie. Vous voyez vraiment, j'ai commencé à sentir des changements. Les frères là qui viennent, en tout cas pour le moment quand vous me voyez. Quand, le jeudi, quand on quittait Dala pour venir ici, déjà il y avait des changements. Alors depuis hier, en tout cas, il y a un changement total. Alors aujourd'hui ici, surtout, aujourd'hui quand on priait, surtout quand on est arrivé sur les démons, j'avais senti quelque chose dans moi. Cette chose-là s'est faite plus. Alors j'ai fait, c'est quoi finalement ce Seigneur? Alors je remercie seulement les Seigneurs. Merci beaucoup. C'est ça. Kombo na ngai Jacques Bogina Sabasaba. Jina langu Jacques Bogina Sabasaba. Nazaki kotongisa mingi na erni. Nilikuwa nateseka sana erni. Basala kanga operasyo turwa ya mbokote droit. Bali nipasulanga nga mara ya kwanja ngambo ya kuume. Eko sala ena. Inafa mwaka moya. Kote goshi e bandi kote ranje ngai. Kena ngambo ya kushote nanja kutusumbua. Na e atalo kwa na komaki yao. Wanji nifika tu hapa. Ezaki ka kotungisa ngai. Kwa nisumbua. Na kumisi kolo na zui na kolo Yesu Kristo asaingo operasyo sa cicatrice. Na shukuru Bwana Yesu ananifanya operasyo bila cicatrice. Kombo na kolo eku mama. Jina la Bwana litukuzwe. Donc Sili. Inaisha. Merci. Inaisha. Inaisha. Wati mutumisha munga zima jana wambe wagonjwa. Toti ya loboko esike za kusua. Tutie mikono pali kuna luma. Natia ki loboko nangai. Nilitia mkono yangu. Atuka vrema pera leo pena tia ngo. Dana leo pila natia. Na moni loboko na nzamba ikono nangai na biki. Naona mkono wa Mungu juu yangu nimeponyeshwa. Kombo na nzamba ezu walukumu mingi. Jina na Bwana litukuzwe sana. Wa Pastor Baruti. Kwa jina mchungaji Baruti. Aklame le Seigneur Jésus Christ. Jangile Bwana Yesu Kristo. Nafika tangaza uponyaji yangu. Jina lako nani? Jina langu ni Nyakato Marieni. Jina langu Nyakato Marieni. Wakati mtumishi alisema tutia mikono fasi enye kona luma. Tangu balobaki zotia loboko esika to ezo sala pasi. Ninafanya miaka 29 na niko kiwete. Nasali 29 ans. Wana nazo tambola malamu te. Na mizigo na zaidi mizito ya malali yango na kuaka hapa ndani ya kivuno yango hapa tu. Basi nangeza la kaona loketo hawa. Nasikiaka ndani yango na lumaka sasa kivimba. Na kati nangeza lokola bibon. Wakati mtumishi alisema tuweka mkono fasi iko na luma. Tango alobaki toti aloboka sikio zo sala pasi. Nilisikia ukimya na salama. Na yoki kimya koti. Na wakati nikaona mugulu yango ile. Tango na moni lokolo na ngai oyo. Nikaona mugulu yango ile bana kata bana anja tosa kitu enye na kala sasa busa ndani ya mugulu ile. Na moni bazo kata loboko lokolo na ngai. Bazo longola pi na kati na lokolo na ngai.
nani nanjaona sasa bakora ninajaona sasa mtu kwa kongolesha mizigo yake ya mubaya mubaya kutoka ndani yango hapa na moni lokola mtu boka zoro kwa biloko mapena kati na ngai yao na kati ya loketo ndio mimi nafika kushuhudia ile tena yako tatu la pona yango mimi na yua kupitia damu ya Yesu Kristo ninaisha pona na yeye pete kwa kama kila Yesu nazipo pika toka leo mimi siko kiwete tena mandale leo nasali juu kiboso rote Na makasi na ngaite Na mbuya na ngaite Na moli mbona yota Yango nyotswe koki Ae ae Makasi na ngaite Na mbuya na ngaite Na moli mbona yota Yango nyotswe Kombo nanga sœur Judith. Jina langu dada Judith. Judith nani? Judith Lifilo. Lifilo. Na yake awa lelo tata mwasi nanga nda asambela kana eglise oyo. Niliki hapa leo ni changazia ngo na mbaka katika kanisa hii. Abenga kinga lobaki mosali nzambe ayawa toke ndena nokotoyo. Aliniita sasa mtumishi wa Mungu anafika huko twende kwa kule. Na hesitaki tenga pe na yake. Siku sita mimi vile nikakuja. Oyo na yeko tato lao izaki probleme na zaka na shoki na makolo na ngaya gauche. Na yake ushuhudia hapa alikuwa na kwanga na shoki mguu wangu wa kushoto. Na buka na kata ngo nazana 4 ans. Nilivunjikaka na niko na miaka 4. Na yeko buka na lisusu tango nazana 6 ans. Na kia vunjika tena mara ya pina niko na miaka 6. Même place na makolo ana. Ile fasi moja katika ile mguu. Soki nazo tambola na yoka ka douleur etinga lokula nazo boite. Sana tembea kana sikaka maumivu na tembea sawa mwenye kuna kilema. Tango tozaki osambela. Tulipo kwa kiomba. Na yoki douleur e place yo esuaka. Nasikia maumivu pale na rumaka pale. Na moni lokola loboko eye simbi. Naona sasa mkono wangu inakamata ile fasi na iongola. Yami bale Ni apili nazaka na complication na cycle nanga na kwaka sionake ba mwezi yangu sawa kawaida sio zobi meyaka na douleur makasi pena complication mingi inakuya sana kuyaka na lumaka sana na nakuyaka mafurungano mingi tango tozo sambela na yoki loboko na libumu wati nilikuwa naomba nasikia mkono katika tumbu et c'est le coup les arracher douleur inakuwa sana kola ile maumivu pe directement cycle nanga ibimisa douleur na bana toka bila ta maumivu Bwana Mungu ashukuriwe. Na yeye tenga na si habiki deja. Na yua mecha ponesha yangu. Bwana Mungu atukuzwe. Na makati na ngai. Na nguya na ngai. Na mboni mbona yota me. Ya mboni onse kopi. Ae ae. Kombo na ngaseng Nadine. Nadine nani? Kombo na ngaseng Nadine Ushombo. Kina langu dada Nadine Ushombo. Familia ba mama na ngaba mbela kamalade amisu. Eza la bandana bwa koko tina bana babota maka. Jamaa ya ba mama yangu bana gonjwa kamalade ya macho tangia batate na batoto yote. Ngape bandana bota mana bandanga kobela malade wana na koli kaka na zokola na malade wana. Tangia nilizaliwa na gonjwa ile malaria ya macho na komea mpaka mnaniona hapa na gonjwa tu ile malaria ya macho. Na koma kana age ya 12 penze komi matata moyate ya kotange zate na kokyoko na klase moya komona na tableau za. Ya likia 12 na mbona kusoma ikashindikana kwa sababu hata mimi naingia kwa masomo kuona hata ku tableau siku naona tena. Nde papa le kinangaki kotinda ngana seme na banjozo akisi mkolonyoso na zoke ndena zozo akisi. Jo papa le kyanga netuma ni anje pate dawa ni kanja kila siku napata dawa. Eko maki ngonga moko na keno hospitali baebi singake na zana probleme na nerve ata basali ndenge nini ekobikate. Ukafikia wati mwa nikaenda kwa hospitali niambia wapi? Maana wabu na yako unashindikana. Uko na malali ndani ya mishipa ya macho kule ndani ya kichwa. Hatuna namna kukutunza. Ndena zongaki. Jo nikarudia Tango na zongi Niliporudia Grand frère nangana zo sambelawa Mkubangu mwena mbaka hapa Ayeko ebi sangana nazaki pena ba trouble moko boe Tikuwa vile na mafurungano moya hivi Nde ayeko ebi sangana jine toke ndi naume ya plasi yango na sambela Akaniambia na jine kia tuende kwenye mena mbaka Nde nga pe na nabimi Na mini katoka Na ye Na kuja Kukoma na eglise nanu ba makamu nazaki
Abondeli anaomba asilisi kobondela anamaza kuomba nabimisi maboko natosha mikono yokineti biloko moko ezipaki nga miso naona sasa mitu baifa funika macho na kitisi maboko inatonga nje mikono pala moko clear naanza kuona wazi sambia baruti aswalo ku Mungu wa baruti atukuzwe Makati nangai Nanguya nangai teo Naboli mona yo zambe Yango nyoswe kopi Jina konani Kombono nani Kombono nga frere Emmanuel Jina langu Emmanuel nani Ya pili jina pili Ya pili jina kombono nga msu ya mibale ya bate meza frere Lazar Jina yako okay. Kiyama Ok, ça va Emmanuel Lazar. Nzambe asale liyo nini? Atuka nzambe asale nga bikamo moko nga moko na oko prana ngote. Mungu anifajia mambo yenyewe yenye siko nafahamu. Po chaque mois nga ninge na zalia wa ifo. Nazo akata 4 bibo. Kila mwezi na maana niko amena kuaka na bivimba 4. Me tango na komea ndenge mo Epa kola mina kola ibisinga alubike moto azobela ale kaliboso atouche sikango wakati nifika hapa azo sentir biete mutumishi amu asema bapite mbele mutu atguse fasi nya asikie iko nasikia na mubaya ndenge nazalaki awa nazalaki na bibo nilikuwa na kivimba nazoka penza ba antikor na ngezo pesa nga penza biete nilikuwa sikisikwa sikia mwili mzuri Nazaki kuna sima na setenira deva. Nilikuwa kuna nyima na chima hapa mbele. Na mi senti ke tango pasta zao sambele likoloa ba. Ba bibo alubike ba demonyo so ya ba bibo. Nasikia wati mchua kwa sema ma demonyo ya ma bibo ya ba bivimba. Na tango na simiga plaso wa na mwoni ke. Wati mwoni ke na wana kusema. Na mwoni ke bibo ya disparate. Na wana kivimbe na to eweka. Atuga nzambe akuma ma set bibo bivimba saba ese disparaître ngawo na kopana kote Atuga nzambe za malamu Mungu ko mwema Mungu ashukuriwe Je ne pouvais pas mourir, même si la mort me pourchassait, ça ne pouvait pas m'attraper, ça ne pouvait pas m'atteindre avant de voir la nuée des gloires, avant de voir la parole révélée, avant de voir la parole faite chair. Avant de voir la manifestation du Fils de l'homme, avant de voir le discernement des pensées, avant de voir la lumière.